Bonjour et bienvenue sur Vita Bien Cuisine. Les amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer comment je vais griller du poisson frais. Si vous êtes de passage sur la chaîne, les amis, n'hésitez vraiment pas à lui mettre un pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Très rapidement, on va maintenant passer à la préparation du poisson. Donc ici, j'ai le poisson que j'ai déjà bien lavé. Donc il reste peut-être juste à couper ça, tout ce qui reste là. Petit piquant là. Donc avant d'assaisonner, je vais d'abord enlever un peu de l'eau de mon poisson parce que l'eau empêche souvent le poisson d'être bien assaisonné. Donc je vais enlever l'eau de mon poisson. Je vais couper pour faire pénétrer les assaisonnements. Maintenant, je vais commencer par saler. Je prends un cuillerée de sel. Je vais saler avec du sel. Je vais mettre du poivre noir. Du paprika. De la muscade. Ça, c'est du piment. Pour ceux-là qui consomment le piment, mettez le piment. Pour ceux-là qui ne consomment pas, ne mettez pas. Ici, j'ai l'ail en poudre, le gingembre en poudre et le goût du saveur poulet. Je mélange tout aussi, je rajoute. Je rajoute un cube, le cube d'olive. Vous pouvez aussi mettre le cube de votre choix. Moi, c'est le cube d'olive que j'ai choisi aujourd'hui. J'en profite également pour remercier tous mes abonnés, anciens comme nouveaux, tous ceux-là qui me soutiennent de loin comme de près. Merci à vous. Donc, je mélange tout. Je mélange très bien. Je fais rentrer les assaisonnements là où j'ai mis les traits là pour que ça soit bien assaisonné. Donc j'ai bien mélangé mes épices. Je vais maintenant laisser ça comme ça au moins pendant 3 heures du temps pour que ça puisse bien être assaisonné le poisson. Donc je vais laisser ça reposer comme ça. Voilà, après quelques heures du marinade, je vais aller maintenant griller. Voilà, mon huile a chauffé. Il faut laisser vraiment l'huile chauffer pour ne pas que le poisson colle. Je mets une l'oignon pour aromatiser mon poisson. Je commence par griller. Je vais laisser comme ça au moins 4 minutes à 5 minutes et puis je vais retourner le poisson.
Donc je lève aussi l'autre côté, 4 minutes aussi, et puis je vais enlever. Fais la même chose. Donc là aussi, je laisse 4 à 5 minutes et puis je retourne l'autre façade. Donc je frise les plantains pour accompagner avec mon poisson. Je vais faire une petite salade pour accompagner mon poisson. Je découpe un concombre. Je découpe également mes tomates. Une demi cuillerée de sel. Je vais maintenant rajouter de la mayonnaise. Je mets 3 cuillères et je mélange à nouveau.
Voilà mes amis, mon poisson grillé est là. Je vais accompagner cela avec des bananes plantées et une bonne salade. Je vous assure, le poisson est très bon, très beau. J'ai bien grillé ça. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.